Salut Brice, Johan en direct du studio Prime Golf Academy. Alors, on va analyser les balles que vous voulez ensemble. Alors, si on fait un petit bilan, on s'aperçoit qu'on a plus des problèmes de direction que de contact. Donc, si on regarde sur les chemins de club, ils sont plutôt réguliers, autour de 0. Donc, ça, c'est vachement bien. Par contre, au niveau de la face de club, on a mis entre plus 4-8, donc cette balle a fini très à droite, et moins 4-4 ici, où elle a fini très à gauche. Donc, si on analyse celle-là, pour ne prendre que celle-là, on s'aperçoit ici sur dans la montée, donc on a plein de bonnes choses, hormis en fait donc ce souhait, c'est-à-dire le bas du corps qui traverse en fait la frontière, on va dire. Cet overswing et ici là ce manque de stabilité en bas, donc ça serait bien en fait pour faire des recordman de long drive, sauf qu'ici on n'est pas à ça, on est plutôt faire 6 si on veut essayer de mettre la balle le plus souvent possible à la cible. Et avec une phase de club qui revient toujours, si possible, autour de 0 et pas entre plus 5 et moins 5. Donc, ce qu'il nous faut pour toi, Brice, c'est au sommet du swing, donc bien faire attention que la fesse droite va donc derrière toi et pas sur ta droite, donc, ce qui va permettre d'éliminer ces problèmes de swing, de limiter aussi un petit peu le overswing, et ce drill, encore une fois, que je t'avais déjà vu, de mettre la balle sous la pointe du pied gauche de manière à ne plus sauter comme ça et être stable. Donc, si le swing est plus stable, la phase de club reviendra plus souvent autour des zéros et forcément plus qu'on aura mieux.